Parle encore d'élection. La campagne électorale pour l'élection du président de la République s'ouvre à partir de 0h. À cette occasion, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'adresse aux candidats. Mamadou Diamounteni, que vous allez entendre, exhorte les 28 candidats à la courtoisie au cours de leur meeting respectif. Le président de la CENI rappelle quelques dispositions de la loi électorale interdisant les déclarations injurieuses ou diffamatoires lors des campagnes. Les propos de Mamadou Diamounteni sont recueillis par Mohamed Diarra. Madame et messieurs les candidats à l'élection du président de la République, scrutin du 28 juillet 2013. Par arrêt numéro 2013-01-CC-EP du 4 juillet 2013 portant liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, scrutin du 28 juillet 2013, la Cour constitutionnelle a validé vos candidatures respectives. Je voudrais, au nom de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, vous adresser mes vives félicitations pour cette validation. Madame et messieurs les candidats, conformément à la loi électorale, la campagne électorale à l'occasion du scrutin du 28 juillet 2013, s'ouvre le dimanche 7 juillet 2013 à 0h. Dans quelques heures donc, vous serez au nombre de 28 à aller devant l'électorat pour l'informer de vos projets de société et tenter de le convaincre de leur pertinence afin qu'il y adhère. À travers de grands rassemblements, vous mobiliserez des foules qui iront à votre écoute. Je me permets d'en appeler à votre sens élevé de responsabilité et de patriotisme pour que ces rassemblements ne constituent pas des facteurs de division et de haine entre nos concitoyens déjà très éprouvés. Madame et messieurs les candidats, souffrez que je fasse ici lecture des articles 72 et 73 de la loi électorale. Article 72. Les pratiques publicitaires à caractère commercial, les dons et libéralités en argent et en nature, à des fins de propagande, pour influencer ou tenter d'influencer le vote durant la campagne électorale, sont interdits. De même, l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale publique, institution ou organisme public, aux mêmes fins, est interdite. Article 73. Il est interdit de procéder, lors des campagnes, à des déclarations injurieuses ou diffamatoires, par quelque voie que ce soit, à l'endroit d'un ou de plusieurs candidats ou listes de candidats. Madame et messieurs les candidats, le Comité national de l'égal accès aux médias d'État veillera, conformément à sa mission, à l'accès égal aux médias d'État pour vous tous. Avec lui, la CENI veillera sur le contenu de vos messages respectifs. D'une façon générale, je voudrais vous rassurer de la détermination de la CENI à remplir sa mission en veillant à la régularité des élections et au respect des droits des candidats que vous êtes et des électeurs dont vous sollicitez le suffrage. La carrure de femme et d'homme d'État que vous incarnez, au regard du parcours de chacun d'entre vous, nous donne l'espoir que vous appellerez vos militants au respect de l'autre et à l'apaisement, afin que nous ayons droit à une campagne civilisée. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie pour votre attention.